Salut les dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Donc la vidéo d'aujourd'hui va vous faire réfléchir, voire vous faire peur. Et oui, des rats qui sortent des toilettes, ça peut arriver. Et c'est pas si rare que ça. Tout le monde sait que les rats c'est très intelligent. Et votre maison, s'ils ont envie de rentrer, ils peuvent rentrer. Oh putain! Alors il faut savoir que les rats des villes, la majorité du temps, ça vit dans les égouts. Donc qu'est-ce qu'ils font? De temps en temps, ils veulent sortir. Donc ils suivent les réseaux. Et ils se retrouvent dans votre toilette, en plongeant dans la cuvette, ils ressortent et dans la maison. Et là, c'est le cauchemar, surtout pour les dames. Bon, je vais pas vous laisser comme ça. Allez, Dédé. Je vais quand même vous dire comment on peut éviter ça. Bon, les petits Dédés, avant de vous montrer comment éviter ça, je vais voir dans quel cas vous vous trouvez dans le pourcentage de risque qu'un rat remonte par vos toilettes. Donc, il y a 6 cas. Cas numéro 1, vous habitez dans un petit village, dans un appartement situé au premier étage ou plus. Votre pourcentage de risque qu'un rat sorte de vos toilettes est de 1%. Cas numéro 2, vous habitez toujours dans un petit village, mais vous habitez dans une maison ou un appartement à rez-de-chaussée. Votre pourcentage de risque est de 5%. Ça augmente un petit peu. Plus vous êtes près des égouts, plus vous avez de chances que des rats remontent. Cas numéro 3, vous habitez dans une petite ville. Donc petite ville égale plus de rats dans les égouts. Donc vous habitez dans un appartement à partir du premier étage, votre pourcentage de risque est de 5%. Cas numéro 4, vous habitez toujours dans la petite ville, par contre vous habitez dans la maison ou un appartement à rez-de-chaussée, pourcentage de risque il est de 15%. Ça commence à augmenter, vous commencez à avoir peur. Cas numéro 5, là cette fois-ci vous habitez dans une grande ville, une ville comme Toulouse, Paris, Marseille, vous habitez dans un appartement à partir du premier étage, votre pourcentage de risque est de 15% aussi. Cas numéro 6, vous habitez toujours dans la grande ville, dans une maison ou un appartement de rez-de-chaussée, votre pourcentage de risque, il est de 35%. Et là, ça commence à faire peur. Une grande ville est égale à beaucoup de réseaux d'égouts, beaucoup d'habitations, donc beaucoup de rats, donc beaucoup de chances que ça remonte par vos toilettes. Je peux rester dormir chez toi ce soir? Non. S'il te plaît. Non. Alors les petits Dédés, dites-moi dans les commentaires dans quel cas vous vous trouvez. Donc la prévention à faire pour éviter qu'on a des rats qui se retrouvent dans la maison, elle est toute simple. Il suffit de fermer la cuvette. Voilà, tout simplement. Le rat, il va remonter par les égouts, il plonge dans votre cuvette, c'est fermé, mais à un moment donné, il va repartir. Donc fermez votre cuvette dès que vous êtes passé aux toilettes. Je sais qu'il y a beaucoup de Français qui ne le font pas. Si vous voyez que ça arrive souvent, il faut aller voir votre mairie et leur demander qu'ils fassent un traitement de réseau d'égouts par un professionnel. Bon, voilà, la vidéo est terminée les Dédés. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez pouvoir aller aux toilettes en toute tranquillité. N'hésitez pas à partager la vidéo pour que tout le monde sache ce conseil à prendre. Hein. Fermez la cuvette. N'oubliez pas, vous pouvez me suivre sur Snapchat, Instagram, Facebook. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Toi qui n'es pas encore un petit Dédé, fixe ce logo et abonne-toi en cliquant dessus.